Bonjour, retour à Arles pour assister à l'élection de la reine d'Arles. Nous sommes place de l'Hôtel de Ville et les chevaux sont en train d'arriver, les Arlésiennes, les chevaux. Vous allez pouvoir assister à cette élection. C'est la 23e reine d'Arles. Donc après la fête des gardiens ce matin et la bénédiction des chevaux, voici l'élection de la reine d'Arles. Donc dans quelques minutes, la 23e reine d'Arles va faire son apparition ici à la fenêtre de l'Hôtel de Ville. C'est une reine qui est élue pour 3 ans. Donc elle doit parler provençal, elle doit connaître toutes les coutumes de la région. Voici les chevaux, les gardiens qui font leur entrée sur la place de la République. Voilà, ici ce sont les pains bénis que vous voyez. Donc c'est la gardienne de Saint-Georges qui apporte les pains bénis aux autorités. Madame, qu'est-ce que c'est ? Pardon ? C'est la remise des pains bénis à monsieur le maire d'Arles. Voilà, nous avons fait la remise des pains bénis aux autorités pendant la messe. Et là, c'est à monsieur le maire d'Arles. Voilà, vous allez assister à la remise des pains bénis aux autorités par la gardienne de Saint-Georges. Les pains qui ont été bénis pendant la messe tout à l'heure. Merci de nous rejoindre. Nous sommes donc en direct d'Arles pour l'élection de la 23e reine qui va être présentée dans quelques minutes au balcon de l'Hôtel de Ville. Donc Mandy Graillon, qui était reine pendant 3 ans, va laisser sa place à une autre jeune femme que nous allons découvrir dans quelques minutes. Comment ça va se passer là? Expliquez-nous. À partir de maintenant, et bien maintenant vous allez avoir la remise des pains bénis par notre gardienne de Saint-Georges et ses Arlésiennes. Les dames de la major. C'est pas beau ça? Et ensuite, nous attendrons qu'apparaissent là-haut, au balcon, la 23e reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur.
Merci à vous de nous rejoindre en direct d'Arles pour l'élection de la 23e reine de la cité arlésienne. Les gardiens sont là, les arlésiennes et les autorités qui vont présenter la nouvelle reine. La reine est élue pour 3 ans. Nous expliquer quelle qualité doit avoir une reine d'Arles. Pour la qualité, elle doit savoir parler le provençal, elle doit savoir se coiffer, s'habiller à la perfection, connaître toute la culture de la ville d'Arles, connaître ses monuments, son histoire et tout son patrimoine. Et être reine d'Arles aujourd'hui, c'est avoir beaucoup de courage pour se présenter à l'élection parce qu'il y a une pré-sélection. Et là, elles ont été retenues que 4. Et donc, parmi les 4, aujourd'hui, on va avoir la reine d'Arles, la 23e reine d'Arles.